4 en physique. Et moi j'ai eu 3 en maths. Et toi Carole? Bah j'ai eu... Une bouteille de coca. Allez. J'ai jeté ma meilleure amie dans un poubelle jaune, elle doit être arrivée ici. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Oui, j'ai vu Carole tout à l'heure, les équipages l'ont collecté dans la rue, puis ils sont venus décharger dans le quai de déchargement, au centre de tri. Bon, on y va tout de suite alors? Ah bah attendez, je vous donne vos équipements de sécurité. Voilà, le casque et gilet. Ensuite, elle a été poussée dans les alvéoles. A pris un godet pour la mettre dans la trémie d'alimentation, on l'a mis sur la chaîne de tri. De là, elle est passée dans le crible à étoiles. Donc le crible à étoiles, ça permet de séparer en 3 flux, c'est-à-dire que tout ce qui est corps plat va monter et tout ce qui est corps creux va descendre. Et le troisième tri, c'est les petits résidus, les petits qui vont passer à travers les mailles. De là, la bouteille va être réacheminée sur le tapis de tri et les trieurs vont trier par matériaux les emballages arrivant sur ce tapis. Ensuite, la bouteille va tomber dans une alvéole et ça sera acheminé vers la presse à balles afin de la compacter en balles. Donc en forme de cube. Oh, bah qu'est-ce que tu fais là, Jonathan? Moi je cherche Carole. Et ensuite elle sera chargée dans un semi-remorque afin d'être évacuée vers la filière de recyclage. Oh, c'est venu Marty là! Alors, vous l'avez retrouvée, Carole? Bah non, c'est Marina. Bah écoutez, moi je l'ai retrouvée, elle a été transformée en paillettes. Putain, regarde, je me suis acheté une polaire pour le ski. Oh, c'est Carole! Oh Carole, t'es passé où? Je fais un voyage.